Ok. J'ai une harpie qui a changé de camp. Je peux faire changer de camp certaines harpies, apparemment. Il y a certaines harpies qui, voilà, qui se disent, bon bah finalement il est... Il rocks pas mal, alors on va le... Oh là, le putain, 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 putain. Sont trop nombreux là, et puis il y a d'autres trucs avec, j'ai pas compris ce que c'était. Là-bas il y a un autre œuf, je vais le récupérer. Alors, pierre de soin, pierre d'âme. Un peu de heal. Beaucoup de heal. C'est cool, avant on devait attendre 30, je sais plus si c'était 30 secondes ou une minute entre chaque bandage. Maintenant, c'est plus le cas. Bon, on va essayer d'en attirer une sans attirer les autres. Ok, d'accord. Elles attaquent vraiment en groupe. Donc c'est pas évident de les... Bon, hop, on va utiliser ça. Ouh, ça loot. Ok. Je suis à 8 œufs. Ok. Alors par contre... La bonne nouvelle, c'est ça. On peut peut-être réussir. À récupérer masse œuf ici. Ouais. C'est un bon calcul, ça. Je vais pas m'approcher parce que là, elles vont m'aggro sur le dernier œuf, là, mais... Ah ouais, là-bas. Mince. C'est bon, on a déjà les œufs. Et bon. Les œufs, c'est bon. Je me refais aggro par autre chose. J'ai pas compris ce que c'était. C'est pas grave. Hop. Ouais, après on va descendre hein, dans tout ce territoire-là. Et là-bas, il y a le... Il y a le trône des flammes. Et je vous ai dit, c'est le donjon le plus pété de Cataclysme. Au niveau du loot. On va pas rendre la quête des œufs tout de suite. On va d'abord terminer de tuer les deux harpies qui manquent. Je suis pour le voir. Ça devrait se faire. On va s'attaquer à des harpies isolées. Ok, ouais, y a un truc qui s'appelle la tournade sauvage. Ça semble attaquer, mais... Ouais, ça disparaît au bout d'un moment. Ok, d'accord. Il y a une autre harpie là-bas qui est isolée.
là-bas. Je suis hors de portée. Hors de portée, hop. Je dois m'approcher. D'accord, elle s'approche pas, hein. J'ai eu de la chance. Je vais pas chercher le loot. Excusez-moi, je vérifie un truc. Ça marche. Ça marche. Et ça marche. Ok, très bien. Et ça, c'est bon. Ok. Excusez-moi, je vérifie tout avant de... Vous me grattez le dos, je griffe le vôtre. D'accord. Que les vents vous portent. Surveillez les cieux. Ok. Marion, aile de fer. Éteignez un feu d'alerte des harpies pour attirer Marion aile de fer. Battez-vous avec elle jusqu'à ce que Tisalé la maîtrise. Ensuite interrogez la matriarche des harpies. Ok, d'accord. C'est la mère des harpies. Ok, ben, why not. Par contre, j'ai pas vu les feux en question. Alors, c'est ces trucs là? Non? Ok, ça a l'air d'être là-bas. Alors, il y en a un là-bas, visiblement. Ah, mais non, mais là, c'est du suicide, là. Ici, c'est clairement du suicide. On va essayer de voir celui qui est derrière. Je slalom entre les harpies, mais un truc violent. Parce que j'en ai vu un à la pointe là-bas. Là, il me dit qu'il y en a un. En bas là-bas. Ouais, ça m'a déjà l'air plus négociable. Allô? Pas vraiment l'air de l'avoir attiré, hein. Bon, on va essayer avec un autre. Ah non, c'est bon, c'est revenu. Ça a pas l'air de l'attirer plus que ça, hein. Ça a pas l'air d'être scripté encore ça. Ah, il y en a une. Il y en a. On va essayer de les éteindre. Qu'elle a tiré, mais je pense que je pense pas que ce soit scripté. On va voir si elle est pas apparue quelque part, parce que ça me semble bizarre. Normalement c'est bon quoi, enfin. D'accord, j'ai découvert les pièces incendiées.
Ici, je suis censé avoir des harpies, mais je vois rien. Non. Donc cette zone, elle est indiquée, mais sans plus quoi. On va essayer celui-là là-bas. Putain, elle est là. Ok, d'accord. Elle est là, mais par contre, il y en a deux. Oh putain. Allez, hop. Ok, en fait, j'en ai invoqué plusieurs. C'est bon. C'est ça, en fait, je l'avais déclenché avant. Sauf que je peux pas l'interroger. Je peux plus l'interroger. Allez, hop. Ah, parce que c'est la tête bien longtemps. Donc, ok. Y a pas d'autre quête ici. Donc là, on connaît. Et de toute façon, je vois pas d'autre quête sur la minimap. Donc... on est parti pour le sanctuaire suivant. Qu'est-ce qui vous amène ? Allez. Mais ici c'est un peu chaud. Hein. C'est surtout qu'il y a plein de mobs partout et même en vol et même en vol on n'est pas tranquille quoi. C'est assez oppressant comme, comme sanctuaire. Alors j'ai vu, j'ai du courrier, hein, je le récupérerai plus tard. Bon, ici, on a des quêtes. Première chose que je vais faire, parce que je me suis pas mal fait aggro quand même, c'est réparer mon stuff. Mes marchandises. Voilà. J'ai looté des trucs. Eh, à l'HV, il s'est vendu à 139 000 PO, cet arc. C'est débile. Et celui-là, et cette, ce sceptre-là, il s'est vendu, enfin cette masse, s'est vendu à 52 PO seulement. Faut vraiment qu'on m'explique au niveau des PO comment ça fonctionne. Parce que sur ce serveur, c'est n'importe quoi. Des équipements d'un même niveau, ça varie de du simple au mille, quoi. Toc toc, parler et persuader de l'aider, ok. D'accord, ok. Pénétrer dans l'ignorance, c'est ce quoi, n'importe quel. Les lapins, d'accord, ok. C'est tout ce que j'ai en quête ici. Il me semblait qu'il y avait d'autres trucs. Il
Non, ça a l'air d'être seulement ça. Lui, là, il... Puissent les vents guider vos pas, que la terre mère veille sur vous. Bon, ben allez, on va aller dans le bosquet là. Ah si, voilà, c'est ça. Il me semblait bien avoir vu un autre point d'interrogation, un autre point d'exclamation. Ishnu Allah. Tuer six seigneurs infernaux. Ok, Ashafla. pas de soucis. On va réinvoquer la succube. Ok, là on a les seigneurs infernaux. Oh, ça va. Ils ont que 3000 points de vie. Ça va se faire easy. Ok, d'accord. Donc par contre, il y a ces petits... Alors par contre, voilà, je sais que les acolytes cognent un peu plus fort, par contre. Beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. Il y a un bug avec les acolytes. Elle tape beaucoup trop forte qu'elle ne devrait. Mais s'il fait avoir hors caméra déjà. Ah non, 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 attendez, attendez, excusez-moi. Excusez-moi hein, d'avoir hurlé dans le micro. J'ai un chat qui régurgite une boule de poils. Bon, voilà. Bon, on va essayer de résumer. C'est un endroit safe, mais là, le problème... Ok, il est dominé. Mon gras, portez-vous bien. Bon, ok, on va essayer de... Oh. Je vais être obligé de couper à cause de mon chat. Je suis désolé. Toi, qu'est-ce qu'il me dit? Hors du champ de vision? Il est juste là. Je vais pas pouvoir tourner tranquille aujourd'hui, hein, c'est pas possible. Hein. D'accord, et puis lui. Hors du champ de vision, mais. Ok, il me tape dessus. Oh, il m'emmerde. Sale bête.
Attendez, c'est quoi ce... C'est quoi ce délire? Et lui m'emmerde. Excusez-moi, je vais mettre en pause une minute, je reviens. Bon, je suis de retour. Excusez-moi, hein, voilà, avec les chatous. D'accord, ok. Même pas le temps de ressusciter tranquille. Bon. Alors, j'ai un problème avec les mobs qui sont ici. Ils tapent beaucoup plus fort qu'ils ne le devraient. Donc, pierre d'âme, tout le toin-toin. Pourquoi hors du champ de vision ? C'est encore une zone extrêmement buggée, c'est cool. Pas du tout. Bon, ça va. Au moins, c'est réglé. Reste là. Voilà. Bon, il me reste... Tout ce qui est créature à sauver là. Donc, hop. On va essayer de voir, mais... Là-bas. Là-bas, paniqué. Ouais, mais... D'accord, l'avantage c'est que... D'accord, je peux... Le truc c'est que là-bas il y a un acolyte, j'ai pas envie de l'aggro. Non, je vais aggro du monde là. Là-bas, mais je... Ouais, bah, lui encore, je peux le gérer, mais... C'est pas évident, hein, parce que je sais qu'il y a... Il y a des mobs ici, si je les aggro, ils vont me taper à 2000... À 2000 par coup, et je peux pas régène aussi bien. Non, j'ai cru que je me faisais aggro, mais non. Oui, salut, allez, hop. Pourquoi je... Qu'est-ce qui m'a tapé autant? Il y avait un envahisseur calciné dans le lot. Putain. Quoi? Mais il est où? Je le vois même pas. Il est où ton envahisseur calciné de mort là? Oh, cette zone elle va me faire chier. Oh la zone de merde. La zone de merde. Et j'ai que 3 animaux de sauver là. Et ça va me coûter encore une plombe en réparation. Bah une plombe. Non, ça va encore me coûter, ouais.
Tu l'as vu où ton machin calciné là? Il... Bon, allez, hein, hop. Juste parce qu'il y a un bug sur les dégâts des mobs. Il tape à 2000, ça devrait pas arriver. Là-bas. Tenter, mais ok. Je me prépare à décoller dès que je me fais aggro par un mob là, parce que j'ai pas envie de recrever. Il y en a un, mais il faudrait qu'il revienne. On va tenter celui-là. Ah ouais, je viens de prendre de 800 points de dégâts instant. Allez, il m'en reste plus qu'un sauvé. J'ai bien trouvé un qui est isolé. Et... Voilà. Allez, on va rendre cette quête et encore réparer l'armure. Ah d'accord, ok, j'avais pas vu qu'il y avait un... Ouais, ok, je... Ouh! Eh ben, ligne essence... C'est chaud, hein, comme endroit. Hein. Qu'est-ce qui vous amène? Donc ça c'était quoi? Ok, donc ça c'était tuer les... dans le bosquet sifflant. Ok, d'accord. Donc faut aller au bosquet sifflant. Ça c'est pas... Voilà. On va rendre cette quête là. Donc les animaux. Sauver 3 fangs. Bon, ça on l'a vu, hein, il y a des fangs blessés, mais on peut... apparemment on peut cumuler la quête, apparemment on peut sauver plusieurs fois le même fang, donc ça va être rapide à faire. Et il n'y en a que 3. Et oui, il y avait aussi ça. Alors il est en double exemplaire, hein, normalement on est censé buter l'un des deux. Ah, je sais pas pourquoi, il... Bon. Allez, hop, accepté. Voilà.
Oui, c'était quoi ça? Ah ben, ok. Ben, on va faire rapidement celle-là. Combien il m'en faut? Là, apparemment, c'est un loot. Apparemment, faut que j'arrive à looter des trucs sur eux. Mais eux, ça va, ça se fait facilement. Je suis hors de portée. Je dois m'approcher. Bon, pas bah, plus qu'une. Ouais, bon. De toute façon, ça rapporte un peu d'XP, c'est le gros avantage. J'en ai looté, j'en ai farmé pas mal, hein. Ah bah. Niveau 85, ça c'est cool. Des centelles noires, ok. Et je vous dis, ces fleurs-là à farmer, ça c'est pratique au moins, Ijal. Bon, ok. On va commencer par celle-là. Mais c'est dans l'ordre logique, hein, de toute façon. Faut en fait faire les quêtes de ce truc-là, logiquement, hein, pour descendre plus bas. Après, on peut skip. En vrai, maintenant, on peut skip. Avant, les quêtes du Mont Ijal ne se débloquaient pas, ou il y en avait très peu qui se débloquaient. Si on faisait pas ça. Maintenant le jeu il a quand même été. Enfin, j'ai pas envie de dire qu'il a été simplifié, j'ai envie de dire qu'il a été casualisé quoi. Mais bon, c'est pas grave. Et lancez-les en haut de l'arbre. J'ai pas compris là. Ourson. Ah, il y a des oursons, ok. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Escalader les arbres du bosquet sifflant, attraper les oursons du jal coincé et lancer-les du haut des arbres. Cette méthode est parfaitement inoffensive. Elle n'est pas traumatisante du tout. Bien sûr. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Je dois buter des oursons, c'est ça? Pauvre bête. Plus elles sont niveau 60, elles sont même pas de mon niveau. Bon, visiblement, c'est pas ça. J'ai pas compris. Ça a pas l'air des scripts en fait. N'ayez pas peur, l'ours de The Mosquée démoniste. Normalement, ils sont pacifiques. Ce qui m'inquiète pour le moment, c'est le sort des oursons. L'incendie les a fait grimper aux arbres et ils se sont retrouvés coincés. Nous devons les faire redescendre en toute sécurité. Les créatures ailées les effraient, donc vous devrez grimper aux arbres vous-même. Essayer de trouver les prises sur les troncs, escalader les arbres, attraper les oursons et lancer-les délicatement au milieu de cette cible. Quelle cible? Ça? D'accord. On va se mettre donc il y a quoi? Il y a quelque chose à. Il y,
Il y a un signe pour agripper le... Ça a l'air d'être scripté. Et puis peur des créatures ailées, m'ébreuille là. Ça, non, c'est pas scripté. Allez, hop, abandonné. On va pas se faire chier. Donc, ensuite, on a quoi? L'essence infernale du crépuscule là. Donc apparemment je dois me mettre dans cette zone. Ah oui, attendez, il y a l'éléphant d'abord. On va faire l'éléphant. C'est pas script. C'est pas scripté. Oh bon, pff, allez, hop. Ah, salut, hein. Oh, non, il y en a un autre là, je vais pas me jeter dans la gueule d'un autre. Bon. Aversé dans la gorge d'un seigneur infernal du crépuscule pour apprendre les secrets. Ok. Donc en fait, je dois m'approcher d'un mec comme ça. Que voulez-vous? Salut mec. Cible incorrecte. Force. Donc apparemment plutôt un rouge. Je suis hors de portée. Ça marche pas. Merde! J'ai un grand mauvais. Oh bah allez, n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai aggro de plein de mobs autour de moi, tout va bien. Je chance mes sorts n'importe comment, je vérifie pas mes cibles avant de lancer les sorts, tout va bien. Tout va bien et cette quête non plus n'est pas scriptée. Donc, ou alors, voilà quoi, Seigneur Infernal Crépuscule. D'accord. Tuer un Seigneur Infernal puis lui faire boire la potion. Ok, d'accord. Là non, bah c'est... Oui, ok. Non, mais faut que je lise les quêtes avant, oui, bien sûr. C'est... Oui, là, je peux m'en prendre qu'à moi-même, là. Donc, faut que j'en bute un, et puis qu'après, seulement... Mais faut que j'arrête de faire n'importe quoi. Que vos larmes jamais ne se ternissent. Bon. Faut qu'on trouve un zozo et qu'on le bute. Tac. On a un là, mais je vais aggro les autres.
celui-là, mais apparemment, non. Ouais, on va essayer ça. Ok, donc ça, je l'ai pas loot et... Ok. Et donc salut. Je vous souhaite la victoire. Reconstituer le vrai nom d'un examinant des trois pierres de feu. Pour la horde. Hein? What? Quoi? Vous pouvez répéter la question? C'est ça que je dois loot ou... Non, pas du tout. Pierre de feu. Ok. J'ai ma pierre d'âme. Allez, j'ai ma pierre d'âme. Mais oui! Mais oui! Mais bien sûr! T'as pas 8000! T'as pas 8000, je te dirai rien. Et puis là, bah, je peux pas résu, résultat. Je peux pas résu parce que je vais me faire aggro direct. Sinon, c'est pas drôle. C'est quoi ce mob? Ah oui, voilà, 95, 85 élites. On va essayer de se barrer, mais j'y crois pas. Bah bien sûr! Bah oui! Vas-y, barre-toi dans l'autre direction! Oh putain! Oh merde! Fais chier! Je vais broc en plus à force. À force de mourir, 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 je vais pas arrêter de broc. J'ai quasiment plus de Dura sur mes... Là, 20 Dura. 20 Dura, 20 Dura. Après, c'est les bijoux, ça s'abîme pas, mais... Mais j'ai mon armure qui va broc, quoi, à force. Ah non, mais ça va, quoi, le boss qui loot à... Enfin, qui tape à 8000, tout va bien. On va essayer de se mettre à un endroit où, voilà, je... Bon, je le résume un peu en l'air. Ensuite, on a quoi? Tiens, il est là. C'est quoi ça? C'est un seigneur infernal. Les mobs ici sont encore assez gérables. Ouais, je l'ai vu, il est caché dans le feu, lui. Bon. Nettoyage.
Bon, on va essayer sans. Mais à mon avis, ouais, je vais aggro le molosse qui est derrière. Non, c'est bon? C'est bon. Bon, c'est pas grave. Hein. Si je l'aggro, c'était pas grave. Hein. Allez, le dernier, pourvu qu'il soit pas. Ouais, c'est bon. Putain, par contre, y a un des mobs qui tape à 2000 là, à côté là. Ok, wouh! Wouh! Oui, et donc les fangs blessés. Alors apparemment, ce sont pas les bons fangs. Excusez-moi. Un chat dans la gorge. Apparemment, faut prendre un fang qui est debout. Alors, j'en ai vu. Du moins, je suis quasiment sûr d'en avoir vu. Là. D'accord, en fait j'ai un fond qui me suit et je dois l'amener quelque part? Me suis. Ça va, il me suit assez vite. Oh. Je vais pas rejoindre un groupe russe, je parle pas le russe. Bon. Voilà, il est là. Est-ce que... Ok, ben c'est bon. En fait, il suffisait d'en ramener un. Allez, hop. Plus 8 de score critique et je perds en hâte. Ouais, ça vaut le coup, ça. J'ai pas regardé lui. Non. Non. Mais ça, la cape de fleurs, elle peut être intéressante. Hop. On va prendre cette quête-là. Nous servons la terre. Évasion des tirs de feu. Faites d'autres rapports. Ok. Une seule pensée. Bon. C'est là qu'on va douiller. Comment puis-je vous aider? Ouh. 33 pièces d'or. Ouais. Ouais, je vends ça. Ouais, je vais pas le vendre. Enfin, je vais pas le vendre. Je vais le vendre à la juve, quoi.
Bon, ok, il y avait quoi d'autre? Il y avait quoi d'autre en quête? Il y en a une autre là-bas à rendre, je vois. Ah, il prend bien les nerfs, hein, ce secteur. Utiliser la branche carbonisée au centre de l'ignescence pour invoquer Tolambar, tuez-le et prélever son cœur noir. Ok. Donc ça c'est une invoque. Et les autres quêtes sont plus au sud. Donc on a les chemins ouverts en fait pour aller sur les quêtes plus au sud. Mais on va tenter celle-là. En plus apparemment je peux utiliser juste. Je peux l'utiliser ici. Les mobs sont apparus d'un coup. Ok. Salut. Si je me mets là, je suis plutôt pépouze là. Allez. Ok. Eh ben, c'était impressionnant. C'était impressionnant. On peut pas dire le contraire. Attendez une seconde, mais l'arbre monde, c'est pas ici. Attendez. Donc ça c'est bon. Ouais, à la place de bague de magie canalisée, hein, elle est intéressante, hein. La polyvalence, c'est pas intéressant pour moi. Oui, allez voir ma taugriffe. Ok, d'accord. Hop. Donc, à la place de magie canalisée. Hop. Ah, d'accord, ok. Ben, ouais, ok. Oui, en fait, ça y est, les désenchantements, ça fonctionne, hein. Avec la 8.2, ça c'est quand même le truc qui refonctionne. Avec la 8.2, les désenchantements, ça fonctionne nickel. Enfin, pour le moment, j'ai pas raté un des enchantements, quoi. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il y a ça, mais l'arbre monde, c'est pas Nordrasil.
On va voir. On va la garder, à mon avis, ça c'est une quête un peu fil rouge, ça. Bon. Donc ça, c'est bon. Il reste quoi? Oui, il coffre le corrupteur. Donc ça, c'est la quête avec le loup-garou. Et donc là et là, il n'y a plus de quête. Donc bah, on va redescendre. Hein. On va redescendre. Voilà, donc on suit le chemin. Et on est au lac des cendres. Et donc là, on plonge de plus en plus vers les ténèbres. Il y a des nagas. Donc voilà, donc j'essaie de découvrir un peu les zones. Hein. C'est pour ça que je prends quelques détours. Voilà, le siège des flammes. Et le sanctuaire de Malorne. Et c'est ici qu'on a les quêtes suivantes. Il y a un fly, je crois, ici. Ouais, là-bas. Ok. Non. Tu me laisses. Putain, 2000 de. Mais c'est quoi ces mobs qui tapent à 2000, sérieux? Ah, c'est la violence, hein. J'ai. Y a Malfurion là. Je dois protéger la nature. D'accord, y a Malfurion ici.